Yo, salut à tous, c'est Connor. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo parce qu'on va parler du massacre de Sharpeville le 21 mars 1960. Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918 à Mvezo, nationalité sud-africaine, né pour défendre sa cause et celle des autres. Malgré le racisme anti-noir ces années-là, Nelson fit beaucoup de choses contre le racisme. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il a fait le 21 mars 1960. Effectivement, suite à plusieurs actes racistes venant des civils ou du gouvernement lui-même, Nelson recruta plusieurs partenaires, enfants, vieillards, jeunes, pour faire une manifestation pacifique. Après plusieurs heures de rigolade entre manifestants ayant le sourire jusqu'aux lèvres, une chose arriva. Un policier fit tomber son arme de service et un coup de feu éclata. Les autres policiers armés de mitraillettes automatiques crurent que le coup de feu venait des manifestants. Suite à cela, les policiers ouvrirent le feu sans hésiter dans la foule. 69 manifestants sont morts et au moins 180 sont blessés. Plusieurs sont capturés et jetés en prison et Mandela en faisait partie. Il était emprisonné 27 ans. En ressortant, il devient président de l'Afrique du Sud et crée en 1999 la Fondation Mandela.